T'as vu tous ces migrants là qui arrivent par milliers? Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas, je vais peut-être en accueillir chez moi. Ça serait normal. Enfin, je crois. Normal, tu dis? Non, c'est pas normal d'accueillir des migrants, tout comme c'est pas normal de pas les accueillir. Tout dépend de ta capacité d'accueil, de tes moyens et de tes envies. Et pourquoi t'ires en accueillir, toi qui aides même pas tes proches dans le besoin, toi qui détournes les yeux du moindre chagrin? C'est parce que des célébrités ou des politocars t'ont dit que ça serait bien de le faire, alors que tu sais pertinemment que eux n'accueilleront personne malgré toutes leurs maisons secondaires. Les people en parlent pour se faire mousser, les politiques suivent juste l'opinion publique. Et comme le vent va tourner, il y a des vestes qui vont en faire autant. La main tendue, les migrants, ils vont se la prendre dans la gueule. Et avant ça, l'Europe, je crois qu'elle va la tremper dans du verre pilé sauce barbelée. Mais est-ce que la France a Alzheimer pour pas voir que des connards comme BHL essayent de dicter des solutions alors qu'ils sont à l'origine du problème? Après, tu vas me dire que c'est de l'altruisme. Hein, mais depuis quand on calcule son taux d'altruisme sur Facebook en invitant les autres à le dépasser? Elle est où l'époque où aider était seulement en échange entre deux parties et non essentiellement pour impressionner le troisième? Moi, je te le dis, ça va finir en battle de selfie avec la plus grosse famille de migrants chez soi. Remarque, c'est peut-être justement une photo qui t'a attendri, parce que bon, un migrant, c'est mignon quand c'est petit. Eh ben t'avais qu'à adopter un couple de SDF et leur faire faire une portée, hein, même si t'es assez con pour l'été d'après les abandonner. Les médias t'ont dit de t'attendrir, eh ben pourquoi pas les écouter? Mais t'es bien comme la viande de chien en Chine qu'on attendrit à coups de matraquage pour être plus propre à la consommation. Après, moi je dis ça, je dis rien. Enfin, perso, si j'en ai que chez moi, c'est pas pour venir vous foutre ma morale sous le nez. Puis je risque pas d'en accueillir chez moi, j'y suis jamais. Bah ouais, je suis tout le temps en barre.